Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale et intemporelle. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, comme d'habitude, la patate. Vous m'avez manqué puisque hier, je n'ai pas pu faire de guidance. Et donc, je suis contente de retrouver mes oracles et mon petit Jésus, ma croix Jésus. Bien que j'en ai une en collier, mais bon. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 4 janvier, ça passe très très vite. On va aller voir quel ange de l'Atlantide est avec nous. D'accord, comme d'habitude. Donc, je le redis, c'est une guidance générale. Soit vous prenez toute la vidéo, soit par petits passages, ou bien si rien ne vous correspond, vous appelez simplement la vidéo, s'il vous plaît. Il y en aura d'autres pour vous prochainement et qui vous correspondra. D'accord, les amis? De plus, toutes les vidéos que je fais sont intemporelles. Je le redis, c'est-à-dire que dans 6 mois, peut-être, il y a une vidéo que j'ai faite il y a cela de 2 mois en arrière. Eh bien, si on vous y pousse, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un message pour vous. D'accord, les amis? Pas d'inquiétude. Allez, on y go. On va aller voir quel ange de l'Atlantide est avec nous. Voilà, avec ses... Alors, nous, aujourd'hui, il a fait quand même un temps assez bon. On n'a pas eu froid, il y avait quand même des brins de... Enfin, des brins, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais on a eu quand même assez de soleil. Donc, agréable, agréable journée quand même. Hein. Voilà. Hop. Allez, on va aller voir quel ange de l'Atlantide est avec nous, s'il vous plaît. Quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance du jeudi 4 janvier, s'il vous plaît. L'ange de l'Atlantique est avec nous pour cette guidance générale et intemporelle du jeudi 4 janvier. Ouh! Ah, il n'y en a peut-être pas un, allez savoir. Oh, ça m'embêterait, dit. J'ai toujours l'habitude que ça vienne. Allez, s'il vous plaît. Quel ange de l'Atlantide est avec nous? Ouh, voilà. Oh, voilà. Parce que là, ça m'aurait... Mais comme des fois, ils me le disent, je bats trop vite. Je m'en rends pas compte, les amis. Oh, ouais. Donc là, on a Sandalphon. Une évolution. Une évolution. Il y a une situation qui va évoluer. Les planètes sont correctement alignées, on me dit. Magnifique. Sandalphon, hein. Ouais, alors là, on me dit aussi le plexus solaire est bien aligné et bien... vous avez peut-être travaillé aussi votre chakra du plexus solaire. Hein. Il est bien ouvert, il est bien pour recevoir. C'est de couleur jaune aussi, hein, le plexus solaire, d'accord? Magnifique. Moi, j'adore cette carte-là parce que, vous savez, il y a les 12 planètes qui sont alignées, comme les 12 signes, d'accord? Et moi-même, je suis née le 12-12, hein? Je suis une date de synchronicité aussi, hein? D'accord? Et à chaque fois, cela me parle. Pour moi, c'est au niveau de l'univers. De toute façon, je suis connectée à l'univers, hein? D'accord? Donc, il y a une évolution. Une évolution qui arrive, hein? Quelle que soit votre situation, pour l'instant, je ne saurais vous dire dans quelle situation, mais il y a une évolution pour vous qui arrive là. Ça va se mettre en place. Puisque les planètes sont alignées correctement, là, ça va se mettre en place présentement. D'accord? Magnifique. Ouais, voilà. Et ensuite, nous avons Métatron qui est le bras droit de Jésus, ne l'oublions pas. Et on vous dit... Intelligence divine. Ah ben ouais, mais ça, elle était déjà venue. Hein. Vous avez une intelligence divine, on vous dit. Vous avez de la créativité en vous, on me dit, mais vous ne l'exploitez pas. Vous êtes des personnes peut-être à capacité, à don, mais vous ne l'exploitez pas. Mais avec curiosité, avec formation, avec... renseignement me dit, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre chemin.
Vous avez une intelligence sur quelle qu'elle soit comme situation. Vous allez trouver une façon de faire pour que votre situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, quelque chose qui a été un petit peu en dents de scie, on me dit, vous allez avoir une intelligence pour trouver la solution, pour arriver à vos fins, on me dit. Voilà. D'accord, les amis? Bon, bah de toute beauté. Bon. Allez, on va me remettre ça là. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, je voulais vous dire aussi, selon à la fin de la guidance, j'ai pris un petit sac du zoo de Boban, puisque j'étais à côté, moi. Et j'ai fait des petites pancartes. J'aime bien. Et on en prendra au hasard et voir ce que ça, si ça confirme ou pas la guidance ou un petit message de la guidance. Donc, vous voyez, hein, y a rien de... Voilà, il y a des petites pancartes où c'est marqué rencontre, sexe, protection divine, automne, des peurs, meilleur avenir, son âme sœur. Enfin, vous voyez, etc., etc. Hein, on verra si j'y pense parce que ça fait un moment que je l'avais fait puis je le prends jamais. Voilà, les amis. Oh, bah, allez, voilà, je le fais tomber. Oh bah non, mince, j'ai tout... Ah non, voilà, c'est bon. Allez, on y go les amis, qu'est-ce que je prends comme comme oracle, je vais dire comme guidance. Qu'est-ce que je prends Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop compliquée parce que je suis un petit peu fatiguée. Qu'est-ce que je prends? Alors ouais, on va prendre celui-là. Sors celui-là ou... L'oracle bleu, ouais. On va prendre l'oracle bleu. Je vais enlever le... Attendez, hop, je vous le montre bien. L'oracle bleu, il m'appelle. Alors, attention, les amis. Parce que j'ai reçu aussi des messages en me disant que ils ne comprenaient pas mes explications, mes signes, parce qu'ils ont le même oracle que moi et sur leur cahier, ce n'est pas ça. Je m'explique. Moi... Quand on me fait passer des messages en canalisation, si on me dit, alors peut-être une carte, c'est la carte consultante, hein. Si on me dit rien, c'est la carte consultante, d'accord? Mais si en message, on me dit, c'est un homme blond qui arrive vers vous, ou attention, méfiance, nan, si j'ai ces messages en canalisation, je vous le dirai. Et là, je ne parlerai pas que c'est le consultant lui-même. Parce que j'ai des messages. Je ne ferai pas attention de ce que est écrit dans le bouquin. D'accord, les amis? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris ce que je vous explique. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on va bien battre. Hop. Bon, si j'y arrive, hein, parce que, bon, après, mes mains, mes mimines sont peut-être un petit peu fatiguées, hein, vu le travail que j'engendre en ce moment. Hein, voilà, voilà. Je n'arrête pas, mais j'adore ça. Je cours de partout, les amis. Je cours de partout. Mais alors, c'est un pur bonheur. Je me lève, je me maquille, parce que je suis très coquette aussi, hein, faut le savoir. Un petit coucou, hop, vous voyez. Donc, je suis très coquette. Je me maquille tous les jours. Je prépare mes affaires la veille des enfants, le petit-déj, mes habits à moi. Et comme ça, j'ai le temps pour moi le matin et avec les enfants. Ensuite, j'ai mon travail. Je cours comme une dingue parce que j'adore ça. Ensuite, je sors du boulot. Je vais chercher les titis. Je prépare ce qu'il faut à préparer. Je fais la vidéo. Je réponds aux mails. Mais j'adore ça. On se sent vivant et j'adore avoir la patate. Parce que pourquoi, les amis? Plus vous positivez, plus vous vous dites « j'ai la foi, j'ai l'énergie ». J'ai la positivité en moi, et ben plus vous l'aurez, les amis. Faites pas confiance. Alors, j'avoue, peut-être je l'ai un peu trop. Je suis peut-être trop dynamique quand même. Mais je suis comme ça et j'y resterai là. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir. Ouais. Allez, s'il vous plaît, bel oracle bleu. As-tu des messages pour les personnes à qui cette guidance générale et intemporelle? À qui ça parlera pour les énergies du jeudi 4 janvier. Ça passe d'une vitesse. C'est janvier ou février? Non, février, hein. Non, 4 février, excusez-moi. Oh là là. La maison. Alors là, il y a la maison. Hein?
Donc, c'est ce que je vous expliquais. Normalement, vous savez, il y a beaucoup de gens, ben, de confrères, consoeurs, elles apprennent le bouquin. Mais moi, si j'ai des messages, je préfère dire mes messages, d'accord? Moi, c'est vraiment un support, les cartes. D'accord, les amis? Voilà. Donc là, il y a la maison. Donc, c'est en rapport avec soit votre maison à vous. Il y a quelque chose qui est en mode pause, on me dit, ou alors en lenteur au niveau d'une maison. Alors, peut-être, soit un déménagement, j'entends. Il y a peut-être une lenteur ou une situation en pause pour savoir si on déménage de cette maison. Ou alors, il y a quelque chose de pause. On me dit, il y a une situation qui est en pause ou en lenteur, qui est en stagnation, on me dit. Alors peut-être des personnes, vous voyez, puis là il y a l'évolution, là on est en train de me faire rappeler, avec Sandalfon. Hein. Donc là, à mon avis, il y a des personnes qui vont vouloir soit partir de leur habitat actuel, que ce soit maison ou appartement, hein. Là c'est maison en l'occurrence, mais votre maison c'est quoi? C'est soit appartement, caravane, partout où vous vivez, il n'y a pas de souci les amis. D'accord? Donc là, en fait, votre habitat, hein, soit... Vous savez qu'il faut que vous partiez de votre habitat, soit vous savez que ou alors vous sentez qu'il va falloir que vous déménagez de votre habitat. Mais pour l'instant, il y a une situation qui fait que c'est en stagnation, en lenteur, on me dit. Mais de toute façon, il y a quand même l'évolution. Et comme vous avez l'intelligence divine, cela se fera si c'est bien ça. Vous ne prenez simplement ce qui vous parle, les amis, s'il vous plaît. C'est très, très important. Pas de forcing, ok? Ensuite, nous avons... Ah! Excusez-moi parce que je n'avais pas vu et puis on va me le dire, ok? Ouais, là, vous avez la carte 30, hein, mais pour moi, c'est carte 3. Donc, peut-être encore une triangulaire. Oh, Il y a quelque chose, ouais, ah ouais. Oh, puis alors là, dis donc. Puis vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a la vue très... je sais pas... J'ai un don aussi au niveau des yeux. Vous allez voir que la carte, c'est une carte banale. Mais moi, je vois tous les petits. Je vois plus de trucs sur les cartes. Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, bon, bref. Et il y a bien un triangle hein, pour moi, là. Je suis désolée, ouais. Même, je dirais qu'il y a quatre personnes en jeu, là. De toute façon, c'est l'année 2021, je l'ai dit, hein, les triangulaires, les quadriangulaires, je sais pas si on dit pour les quatre, là, quand c'est deux couples, finalement, qu'il n'y a plus rien, mais que, voilà, je sais pas comment on dit, hein. Bref, là, pour moi, il y a des personnes où ils sont dans une situation de stagnation, de lenteur, c'est des couples, d'accord? Mais dans les couples, il y a... une triangulaire, c'est un quadriangulaire, je sais pas comment on dit, c'est pas grave, vous allez rigoler derrière cette vidéo, mais c'est pas grave, vous pouvez. parce que il y a des choses qui sont pas encore en clarté, on me dit. Il y a des choses qui sont pas encore dites, mais il y a une situation qu'il y a des personnes qui se tournent autour, là, on me dit. Et c'est pareil, là, avec la carte 19, 9 et 1, 10, c'est un renouveau avec une personne. Ah non, mais c'est certain, là, le yin et le yang. Vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous allez être en osmose et en équilibre avec le yin et le yang, on me dit. Vous allez trouver votre duo, on me dit. Ça va être... ben ouais, mais c'est ça. Vous allez vraiment vous entendre parfaitement et même au niveau cul, au niveau sexe, pardon, au niveau... au niveau... ouais, bah, cul, au niveau sexe, tout ce que vous voulez, mais pas que. Vous allez avoir des projets, on me dit. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas la clarté encore qui est présentement, on me dit. Ce n'est pas encore dans la matière. C'est pas encore fait. Cette situation n'est pas encore faite. Vous sentez, vous vous sentez attiré. Il y a des regards, il y a des jeux de regards, il y a de l'attirance. Vous savez qu'il va se passer quelque chose avec l'un avec l'autre, mais il y a de la stagnation, il y a de l'attente, il y a... Ouais. Allez, on va aller voir. Et il y aura des projets, hein, ça c'est certain. Mais bon,
Je ne sais même pas si on arrive à dire triangulaire après triangulaire, ce serait quoi, quadri. Oh là là, les amis, ben je compte sur vous comme d'hab, hein, sur les messages, hein, pour ceux qui veulent, hein, pas de forcing, pour me dire triangulaire et quand il y a quatre personnes, c'est-à-dire ben, qu'en fait, la triangulaire, c'est quoi la triangulaire pour moi? La triangulaire, c'est qu'il y a un couple et il y a quelqu'un qui est tout seul, voyez? Et qui la personne qui est déjà en couple, elle va aller l'autre, donc c'est une triangulaire, d'accord? Mais quand il y a deux couples, pour moi c'est deux couples, c'est deux couples, un là et un là, et dans le couple là, il y en a un, il est plus en osmose avec cette personne-là, donc il sait qu'il va aller vers l'autre personne, et le couple qui est ici, de même, il y en a un des deux qui n'est plus en osmose et il est attiré par une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour ceux qui me laisseront un message pour me dire s'ils ont bien compris. S'il vous plaît. Allez, on repart. La carte 69, donc c'est carte 15, 6, l'amoureux. Eh ouais, l'amoureux, toujours. Non, mais de toute façon, l'année 2021, je le ressens, hein, ça va être beaucoup, beaucoup des questions d'amour, des questions de break, des questions de triangulaire, des questions à plusieurs, des questions de recommencement, de s'écouter au niveau de l'intuition du cœur et non pour les matériels, le mental. Tout cela, ça va être vraiment une année qui sera vraiment basée là-dessus et je le ressens. Et surtout quand il y a la pleine lune, les énergies sont vachement puissantes. Hein? D'accord, les amis? Magnifique carte en tous les cas. Regardez-moi ça, de toute beauté. Hein? Moi, je suis beaucoup, beaucoup connectée avec les animaux. Je vois beaucoup de visages dans mes rêves, beaucoup d'animaux. Hein? Voilà. Donc, pour moi, c'est au niveau de l'amoureux, là. Hein? L'amoureux, arrive. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va vous clarifier une situation. Il va vous dire quelque chose. Hein. Ah ouais. Il y a la communication avec l'escargot. Pas l'escargot, pardon, le coquillage, excusez-moi. Il y a le coquillage. Il y a là une communication qui arrive vers vous, là, ouais. Et on me dit, il va s'ouvrir à vous et ce ne sera pas du mental, ce sera avec le cœur. Donc, pour les personnes qui vont être, je pense, un peu bouleversées et un peu étonnées, j'entends, surtout, ne répondez pas précipitamment, pardon, parce que il va venir, déjà, ça va être un grand effort qui va venir vers vous, ou elle va venir vers vous, vous interversez selon qui regarde cette guidance, parce qu'il va le faire avec le cœur, il n'a pas l'habitude, cette personne-là, que ce soit masculin ou féminin, qui va venir vers vous, il va vraiment falloir que vous écoutiez et que vous ne rigoliez pas si possible, parce que c'est rarement qu'on me dit qu'il va ouvrir son cœur ainsi. Donc là, franchement, il va vraiment falloir que vous soyez avec bienveillance, s'il vous plaît, les amis, hein, parce que je sens que cette personne-là va vraiment se mettre un coup de pied au derrière pour venir à vous et vous dire ce qu'il a comme sentiment pour vous et ce qu'il a l'intention de faire avec vous. Mais soyez dans la bienveillance parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être, à qui ça parlera, j'entends bien. Qui tellement vous êtes choqués, vous savez, des fois, quand on est nerveuse et tout ça, ben, on rigole pour un rien, or qu'on devrait pleurer ou vice-versa, voyez. Et là, c'est peut-être possible, nerveusement, vous allez peut-être avoir un fou rire. Mais je sens qu'il faudrait pas parce que peut-être qu'il prend ou elle prendrait mal, d'accord? Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Ouh, elle a voulu. Ouais, je sentais qu'elle voulait. Ouais, encore un triangle. L'eau, ouais, les émotions. Là, pour moi. Ouais, alors déjà, on me dit, donc, une petite aparté, hein. Vous savez, des fois, c'est mélangé, hein. Buvez de l'eau. Il y a des personnes, on répète, buvez de l'eau, vous ne buvez pas assez d'eau. Hein, ça peut atteindre vos reins, les amis. S'il vous plaît, buvez de l'eau. Et je l'ai déjà dit, ne buvez pas dans un verre, mais prenez votre bouteille à côté de vous partout. Comme ça, vous allez boire jusqu'à votre soif et non un verre. Vous êtes obligé de mettre une certaine dose, d'accord? Voilà, c'est une petite aparté. Hein. ouais, donc là, il y a bien une triangulaire. Bon, on appelle ça une triangulaire. Hein. Pour moi, il y a deux couples. Moi, j'entends plus un couple 2 et un couple 2 là. Voilà. Et qui reste par. Et il est même possible qu'on me dise là, il y a même pas les deux couples, hein, mais il y a un des deux couples qui sont mariés par contre. Il y a le mariage qui est présent. Oh, bah oui, bah tiens, je suis con. Oh, bah non, mais n'importe quoi. Vous voyez, non mais ils me disent des messages et j'ai même pas regardé. Non mais. Puis je vais faire tomber ma belle carte.
Voilà. Excusez-moi, ouais. Donc, il y a un des deux, là, il y a un mariage. Voilà. Il y a un mariage. Hein, pas les deux couples, hein, mais il y a un des deux couples. Ils sont déjà. Ils sont mariés depuis un moment. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Mais la personne avec qui. La personne qui va venir avec vous pour vous dire ses sentiments, est-ce qu'elle a envie, elle va se dévoiler à vous. Moi, j'entends que, effectivement. Vous, que ce soit homme ou femme, vous allez avoir la même attirance pour cette personne. Et moi, on me dit, il y aura des projets. Hein. Il y aura des projets d'habitat. Il va y avoir des projets d'habitation, de maison même. Ouais. Magnifique. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il... Oui, à l'infini, cette personne. Vous allez avoir un amour inconditionnel, inconditionnel, à l'infini. De toute beauté. Et il vous ressent, il vous ressent. Il pense à vous. Il pense à vous. Vous pensez à lui ou à elle. Oh là 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 là. Oh, ouais. Oh, regardez les amis, le printemps, ça va décanter pour le printemps. Non. Alors, là, on est en train de me dire, elle ou il n'est pas encore tout à fait prêt du la stagnation avec la tortue, la lenteur. Mais il commence vraiment à être plus avenant. Il sera plus avenant avec vous, hein, de toute façon. Et là, ça va arriver pour le printemps. Entre là et le printemps, on me dit plus. Voilà, regardez, hein, c'est le printemps. Hein, d'accord? Moi, je ne sais jamais trop les dates. On me l'avait dit, il y avait quelqu'un qui m'avait la gentillesse de me l'avoir dit en message, mais je suis désolée, je n'ai pas pris le temps de marquer sur un papier. Mais c'est gentil à vous, en tous les cas, merci beaucoup. Ouais, pour le printemps, un recommencement avec cette personne, un début, des projets, ouais. Et vous allez être émerveillé, vous allez être en joie, vous allez être en bonheur, vous allez être en amour, en osmose. Oh là là, ouais, de toute beauté. Et vous allez voir la vie en couleur. Et ouais, moi je vous dis les messages, hein, les amis. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Rien n'est obligé sur ma chaîne, hein. N'oublions pas que c'est une chaîne de bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à me dire à qui ça parlera et à qui ça aidera. D'accord, les amis? Et pour ceux, parce que j'entends encore, hein, on me dit, et pour ceux forcément qui trouvent que il y a trop de blabla, il y a trop de ceci, cela, bah, je suis désolée, les amis, mais il faut que vous changez de chaîne, parce que c'est que je ne vous correspond pas. Il y en aura d'autres qui vont vous correspondre. On ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? Mais il n'y a rien de grave, hein? Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages pour les personnes? Oh, ouais. Magnifique. La sérénité. Ouais. Vous allez trouver une certaine sérénité, les amis. Oh là là, j'adore. La personne avec qui vous allez décider de tout quitter. Finalement, c'est ce qu'on me dit. Vous allez décider de tout quitter pour une autre personne. Et bien. Par contre, on me dit, hein. On me dit dans les deux couples, forcément, la personne, il y aura au moins une personne qui va être triste, ouais, d'un des deux couples là. Ouais, parce que celle qui va se mettre avec l'autre personne, admettons le couple qui est marié, admettons, on va dire la femme qui décide d'aller vers une autre personne, l'homme, et ben son mari, lui, par contre, il va être vraiment, il va être au plus bas, on me dit, hein, ouais. Mais par contre, il faut savoir penser à soi, c'est ce qu'on me dit. Faut plus se sacrifier, les amis. Ça sert à rien. Nous vivons qu'une fois, entre guillemets, puisque je crois à la réincarnation, hein, vous le savez. Mais ça, j'en parlerai plus tard de cela, hein, pour ceux à qui ça parlera aussi. Hein. Mais là, vous allez retrouver une sérénité avec cette personne. Vous allez être en osmose, vous allez être en joie, vous allez être collés, vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Vous allez vouloir partager beaucoup de choses ensemble. Vous allez être en évolution, en évolution. C'est ce que Sandalphon nous disait, en élévation. Et il est fort possible que la pleine lune travaille sur vous. À chaque fois qu'il y a la pleine lune, elle redonne des énergies pour donner aussi, pourquoi pas, du courage à cette personne qui a peut-être du mal encore à venir présentement. Allez, en dos de deck, on me dit là par contre. Hein. Okay. Oh! Ah non, mais j'adore, j'adore. Merci, merci, merci aux synchronicités. Hein. La gestation. Et ouais, ben, c'est ce que je vous disais.
Je vous disais en début de guidance, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, c'est en gestation, ça va arriver. Alors, les amis, là, c'est vraiment pour les personnes à qui ça parlera. Ce n'est pas encore présentement dans la matière, ce n'est pas encore arrivé. Donc, pour ceux qui ont déjà une situation, ben, ce n'est pas pour vous. D'accord? Ou alors, peut-être des petits massages par là, par-ci, voilà. Mais non, non, non. Hein. C'est pour la plupart que ce n'est pas encore arrivé parce que nous avons bien la gestation, me dit. Ça se met en place. L'univers est en train d'aider cette personne aussi à lui donner un peu de tonus et du courage. Voilà, du courage, on me dit. Hein. Mais ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Mais de ce moment-là au printemps. De toute façon, sûr et certain, la période du printemps, les amis, d'accord? Un renouveau avec cette personne, une gaieté, un bonheur et un amour inconditionnel, d'accord? Allez, qu'est-ce que je prends d'autre pour... Eh bien, je vais reprendre celui-là, j'adore, l'oracle cœur de lune, voir ce qu'ils veulent nous dire après un message de Jésus, puis on en arrêtera là, les amis, hein, parce que il faut que je rentre un peu plus tard du travail et il faut que j'aille faire à manger pour mes enfants d'amour. D'accord, les amis? Voilà. Alors, n'hésitez pas hein, à me laisser un commentaire à ceux que ça parle. Et puis, à ceux que ça ne parle pas, ben, vous zappez tout simplement la vidéo, comme je le redis, je me répète, parce qu'il ne faut pas de forcing. C'est très important, les gens. Hein. Les amis, pardon. Je reviens. Allez, bel oracle, cœur de lune, as-tu des messages pour les personnes qui se sentiront concernées par cette guidance générale et intemporelle et qui ira en concordance avec l'oracle bleu, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages pour aller en concordance avec l'oracle bleu, s'il vous plaît? Ouais, alors, déjà. Oh, je voudrais pas que ça. Je voudrais pas que. Oh là là, non mais là, ouais, voilà, c'est génial. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps parce que j'espère que je vais pouvoir la mettre, la vidéo, parce que il faut que j'arrive à augmenter mon truc là de téléphone, là, comme, forfait. Et avec SFR, en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que ça merdouille. Hein. Ça merdouille! Alors voilà, on vous dit quoi, les amis? Je suis trop contente. Les synchronicités. Oh là là, j'aime ça. Je suis quelqu'un de. De toute façon, je suis quelqu'un qui a différents dons, mais qui a aussi beaucoup de synchronicités qui sont là présentement avec moi. Hein. Voilà, donc je suis trop contente. Donc nous avons la carte 15 qui fait 6, sexualité divine. Donc c'est bien, il va y avoir une grosse sexualité, comme je vous disais tout à l'heure, du sexe du cul avec votre amour qui arrive, qui va vous dévoiler ses sentiments, que ce soit féminin ou masculin, ou même si vous êtes gay, il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenue sur ma chaîne de bienveillance. J'ai cherché les mots. Ensuite, carte 40, libérer des liens toxiques. Ah ouais. Là, il y a des personnes, grâce à cette nouvelle vie, à cette nouvelle relation d'amour, hein, d'avoir tout quitté, d'avoir tout laissé le passé, on me dit, vous allez être libéré des liens toxiques. Vous allez revivre dans la positivité. Cette personne va vous redonner de la positivité. Elle va vous apprendre beaucoup, comme vous allez lui apprendre beaucoup. Vous allez avoir des projets ensemble, de toute beauté, de toute beauté. J'adore ces guidances-là. Qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres messages. Allez, une encore. Allez, s'il vous plaît. Un autre message pour aller en concordance avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, bel oracle, cœur de lune, on n'oublie pas, de Maria, Maria Ange et Archange d'amour, que je fais des gros bisous d'amour. Alors, voir avec le cœur, carte 26, donc 6 et 2, 8, donc l'infini. Ah oh ouais, non mais tout concorde, j'adore, j'adore. Laissez-vous aller lâcher prise, les amis. S'il vous plaît, la personne qui va arriver vers vous, on vous dit, elle est en transformation. Elle arrive, c'est pas encore présentement dans la matière, mais ça va arriver, hein, de toute beauté. Voir avec le cœur, oui, c'est ce que je vous disais là. Hein. Parce que ne vous fiez pas aussi au physique, on me dit. Il y a des personnes, peut-être ça va vous. Il y a peut-être quelque chose au niveau du physique qui va un peu vous rebuter, on me dit. Rebuter? Rebuter.
Rebuter, vous me dites, rebuter, rebuter. Bon, ben, je sais pas si ça se dit, c'est bizarre aussi. Bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce qu'on va encore me dire que je sais le nom, or que je sais pas. Moi, la canalisation me sort des mots dans ma tête, hein, voilà. Bref, c'est pas grave, je resterai telle que je suis. Je l'ai toujours dit, je le redirai, même si j'ai que 100 abonnés, c'est pas grave. Au du moment que j'aide les 100 abonnés qui sont fidèles à moi. Vous voyez, les amis, c'est ça le plus important. C'est de rester avec son cœur et l'amour pour autrui. Hein. Comme je dis, ça sert à rien de paraître, le ceci, cela. Non. Jésus, maman Marie, l'univers, mes guides, mes anges, ils savent comment je suis. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné ces différents dons, parce qu'ils savent le cœur que j'ai. Ils savent la bienveillance que j'ai pour autrui et ils savent l'empathie que j'ai. Voilà, tout simplement, les amis. Et tout ça pourquoi? Parce que je vous aime, les amis. Et c'est pas compliqué de le dire. Je vous aime, tout simplement. Et tant que je pourrai vous faire du bien et vous aider dans quelle qu'elle soit comme situation, eh bien, écoutez, ça me fera un plus grand plaisir. Je suis comme cela. D'accord? Allez. Donc, on vous dit, ne jugez pas sur le physique. C'est peut-être quelqu'un qui est pas forcément peut-être belle ou beau, mais moi, comme je le dis, les amis, ce n'est pas la beauté la priorité, hein, c'est le charme. Le charme est plus important que la beauté. La beauté, vous savez, les gens, ils peuvent être beaux et belles, et puis il n'y a rien là, il n'y a rien du tout, hein. Rien de chez rien, c'est mort, que dalle, nada. Puis moi, je peux vous dire, je préfère avoir quelqu'un qui a que du charme, certes, mais que je suis toujours bien avec lui dans ses bras, qui me réconforte et qui me donne un grand amour. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc là, on est en train de vous dire, ne jugez pas au niveau du physique, mais surtout pensez avec le cœur. D'accord? Allez, en dos de deck, on me dit. Oh, j'adore! Nous avons Michael Argent. Oh, Argent. Archange Michael, excusez-moi. La carte 44, encore 8, l'infini. Il est là, il est à côté de vous. Hein. Et je sais qu'il est aussi à côté de moi. Il protège contre le mal. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez peur de quelque chose ou bah, peut-être de votre futur ex, hein, finalement, ou que ce soit féminin ou masculin, c'est comme ça qu'on dit. Hein, peut-être qu'il sera peut-être un petit peu virulent, on me dit. Mais de toute façon, bah, regardez, on me redit de regarder l'autre carte. Non, mais un truc de dingue. La carte 7, amour divin, déclarer sa flamme. Ben oui, ben oui, ben oui les gens, c'est trop beau, il va venir déclarer sa flamme pour vous, ça soit féminin ou masculin, oh, j'adore les amis, franchement, de toute beauté, oh, j'adore, moi je suis excitée là, je suis excitée, ah, une guidance à la perfection, merci maman Marie, Jésus, l'univers, mes guides, moi, je vous fais de gros bisous d'amour. Ils vont me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, je suis comme ça. Allez, on se prend une petite pancarte, voir ce qu'ils nous disent. Et puis à ce moment-là, eh bien on arrêtera là parce qu'on est déjà rendu à 32 minutes. Allez, une petite pancarte. Oh, rencontre les amis. Eh oui, c'est bien ce que je disais. C'est ça. Une rencontre. Alors, rencontre, ça ne veut pas dire forcément rencontre. Hein. C'est que la rencontre va faire que, voilà, vous allez vous mettre en osmose, vous allez. Allez, on sort. Oh non, j'ai tout fait tomber. Bah voilà. Oh non, mais voilà. Il y a une dame qui m'avait dit, t'es comme moi, Aurore. Tu es comme moi. Bah oui, je suis comme toi, ça c'est certain. Je suis comme toi. Oh là là, mince, zut. Alors vous attendez, ben, puis ceux qui sont trop pressés, ben, vous appelez la vidéo. Vous vous avancez, vous faites ce que vous voulez, mais ça m'embête parce que je voulais en reprendre une. Et puis du coup, j'ai tout fait tomber. Bon, on va refermer. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, ce serait dommage. Allez, on est reparti. Vite. Je suis désolée, les amis, hein. Allez, on en reprend une. On se coupe. Bon, bah ça, je l'ai fait manuellement, hein, donc je suis fière. Hein. J'ai eu un peu de créativité là. Voilà, les amis. Allez, on en reprend une. Hop. Oups. Je ne vais pas regarder. Enfant. Ah ouais. D'accord. Enfant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire là? De toute façon, il y aura des enfants en jeu.
D'accord? Ouais. Là, il y aura des enfants en jeu. C'est-à-dire que ce soit vous ou la personne qui va venir dévoiler ses sentiments pour vous, il y a des enfants en jeu. Et c'est peut-être aussi cela qui bloque un petit peu, que c'est pour ça la situation est en stagnation, en attente, en lenteur, on me dit. D'accord? Mais rien de grave, c'est en gestation, cela va arriver. On va l'aider, l'archange Michael va l'aider à retrouver un peu de peps pour venir à vous, vous dévoiler. Parce qu'on me dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il pense quand même à vous, on me dit. Donc, vous êtes peut-être en. Peut-être que vous voyez comme ça, hein, finalement. Et puis, que ce soit vous ou elle, vous savez déjà que, y a une attirance, même s'il n'y a rien qui s'est passé. Allez, une dernière, hein. Une dernière. Oh là là. Du meilleur à venir. Donc, pas d'inquiétude, d'accord? Ceux qui s'inquiètent pour les enfants, on vous dit du meilleur à venir. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je compte sur vous les amis, s'il vous plaît, à liker, à partager, pourquoi pas laisser un commentaire, mais si le cœur vous en dit, d'accord? Il n'y a pas de forcing. Restez avec la bienveillance, la sagesse et la paix, mais surtout l'amour de soi et pour autrui. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance et je vous fais d'énormes bisous. Ciao les amis.